Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui, les amis, pour la potion magique! Celle qui nous offrira un maximum de tapins! Wouhou! C'était nul. C'était à chier! Aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ça? D'accord. Ah bah ouais, ok. J'ai fait tomber un truc, mais. Il était tombé par terre! Je te le rends, hein. Pardon. Du coup, c'était pas ça du tout le sujet. Du coup, oui, c'est pas gentil ça. Vous savez, c'est pour rigoler, hein. Vous avez pas d'humour, hein. Skysterix. Ouais, Skysterix. Du coup, mesdames et messieurs, j'ai reçu aujourd'hui. Alors, je sais pas trop ce que c'est, mais je crois que c'est cool. Parce que c'est quelque chose que je m'y attendais absolument pas. Et ça vient d'un envoyeur. C'est la première fois qu'il m'envoie un truc. J'étais assez surpris d'ailleurs. Je vous raconte un peu la scène. 24 octobre. Oh putain. Bon, ça commence mal. Alors. C'est compliqué à dire quand même. Hein. 24 octobre 2023. Putain, je peux même pas garder mon sérieux. Attends, on va revoir un coup. Ah, c'est scénarisé tout ça. Bah, je l'ai répété, je pense. Hein. Un envoyeur. J'ai dit envoyeur. Je ne sais plus parler. Je ne sais plus parler français. On va parler espagnol. Todo empezó el 24 de octubre 2023. Yo estaba regresando a mi domicilio. Y mi coche. Coche amarillo bien lindita. Está chido. Está chingón. Je comprends rien, mais vous. Ah ouais, mais c'est parce que j'avais du mal en français, donc du coup, je me dis, je vais parler espagnol. Ok, on va essayer en anglais. Once upon a time, 24 of October 2023, I was coming back to my home. Rien compris non plus. Ok, on a perdu, c'est la cata. Je sais, alors, franchement, je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais n'en buvez pas. Voilà, n'en buvez pas. Donc en gros, hier, je suis rentré chez moi, donc 24 octobre 2023. Voilà, je suis rentré chez moi. Avec ma voiture, j'ai une voiture jaune. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une voiture jaune. Si tu veux une voiture jaune, c'est peut-être moi. Et là, il y a un camion de FedEx. FedEx qui s'arrête. Et le mec sort, il fait « Tonton Sky ?»« Oui, c'est moi. » »« J'ai un colis pour toi. »« Ah ! Un colis pour moi !» Et du coup, je vois l'expéditeur Epic Games. Alors, what ? Epic Games connaît mon adresse. Alors déjà, j'étais un petit peu chamboulé. Hein ? Estomaqué même d'ailleurs. Donc du coup, on va prendre un couteau. Très joli couteau qui s'appelle Ilco. Ilco Presto, on va ouvrir ça. Je sais pas ce qu'il y a dedans, franchement. Mais j'étais assez surpris parce que je m'y attendais pas. Savoir que Epic Games, ils ont sucré mon code créateur il y a déjà un an ou deux. Hein, d'ailleurs, ils me devaient un petit peu de sous qu'ils m'ont pas payé. Que je pense que je vais m'asseoir dessus. J'ai encore en plus le mail en me disant « Ouais, on doit des sous et tout, machin. » Ils auraient signé « Va te faire enculer » que c'était pareil, hein. Ah, voilà. Je peux vous le montrer en plus, hein. C'est vraiment, voilà, il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. Par curiosité, voyons voir. Message officiel. Hein. Bonjour Skyrose. Actuellement, nous avons toujours 11 875,93 $ sur ton compte qui ne t'ont pas été payés. Qui ne sont toujours pas payés. Ça fait un peu de sous quand même. Ouais, 11 000, pas rien quoi. On parle pas des pesos. Après, bah du coup, j'ai plus de code créateur. J'ai plus de code créateur et j'ai plus de sous. Voilà. Non mais, tiens, on te donne 11 000 balles. Alors, on le paye ou il va se faire enculer? Oh bah, on hésite. Bah, allez, tiens, allez, va se faire foutre. Oh, bah, j'ai le message par le Twitter officiel, donc là, on peut pas le cacher. Hein. Faut que je fasse une capture d'écran, ça se trouve après ce que je viens de dire, ils vont le supprimer. Oh non ! Vite ! Mais là, c'est officiel. Donc, du coup, j'étais assez surpris qu'il m'envoie un colis. Ça se trouve, là, il y a un bras qui sort. Va te faire foutre ! Tu vois ? On hésite, hein. On hésite. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Les présentes directives en matière de divulgation de statut d'influenceur fournissent des conseils pour divulguer votre affiliation... Votre affiliation... Oh, c'est catastrophique. Affiliation à Epic Games. Epic. Ou une ou plusieurs de ses filiales lorsque vous publiez du contenu. La divulgation doit être claire. Pour divulguer votre statut de façon suffisamment claire, vous devez l'utiliser l'une des expressions hashtag ad, sponsor, Epic partner, équipe Epic ambassador. Alors c'est bien, c'est que hashtag ad et sponsored, bah, vu que je suis pas payé, au contraire, et que c'est pas sponsorisé, je vais pas les mettre.
Et Epic Partner et Epic Ambassador, ils m'ont retiré le code créateur il y a 2 ans. Donc je vais pas le mettre non plus. Voilà. Donc, allez. Rien à foutre. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Fortnite. On va où cette fois? Il y a une carte. Bonjour Skyrose. Putain, déjà, ils l'ont bien écrit. Je peux dire que c'est rare. Des fois, tu vois un R, deux Z. Enfin, c'est tout et n'importe quoi. Donc, merci déjà d'avoir bien écrit mon blaze. C'est un bon point. Merci d'être avec nous depuis le tout début. Depuis les origines de Fortnite. C'est l'heure du retour aux sources. Alors, on va où cette fois? Merci, l'Epic d'Epic Games. Rappel, si vous acceptez un cadeau de la part d'Epic, vous avez l'obligation légale de divulguer à votre public, de le divulguer à votre public. Je pense que là, on divulgue tout. Là, il n'y a plus de trucs. Nous avons inclus une copie des directives. Voilà, je divulgue tout, là. Là, franchement, il n'y a pas... Vous ne pouvez pas me dire que je fais des secrets, là. Je divulgue absolument tout. Nous avons inclus une copie des directives en matière de divulgation de statut d'influenceur qui devrait répondre à toutes les questions. Ouais, bref, voilà, tu lis, c'est là. Bonjour Skyrose, comment ça va, etc. Enfin bref, t'as tout qui est là. Alors effectivement, j'ai commencé Fortnite Day One, il a même divulgué les dettes. Ouais. Attends, ça me donne envie. Franchement, avant de partir là-dessus, ça me donne envie de faire quelque chose. Attends. J'ai la musique Lady Gaga dans la tête. Enfin, pas de Lady Gaga, mais la musique Lady Gaga de Peso Pluma. Je sais pas s'il y a des gens qui écoutent Peso Pluma. Peut-être pas, on va savoir. C'est très Amérique latine, du coup. Alors, je vais vous partager quand même mon magnifique fond d'écran. Je me suis dit, tiens, on va changer de fond d'écran. Bam. Ah, ça, c'est du fond d'écran sur PC. Ah hein, voilà, là je vais faire des jaloux. Ouais, je sais. Je vais faire des jaloux. Bah bien sûr, bah voilà, bien sûr. Jean-Claude, le père qu'on aurait aimé tout savoir. Nous avons ici même une vidéo qui date du... Merde, je vois plus la date. Bah, il y a 6 ans quoi. C'était quoi? Il y avait pas une date là qui traînait? En bref, je crois que c'est le 30 septembre 2000... 30 septembre 2017. On va se le dire comme ça. Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui les amis, on part à la découverte du mall Battle Royale. Mais pourquoi tu cries? Et pourquoi il crie? De Fortnite. Oh, et est-ce que j'ai entendu, il paraît que c'est quand même plutôt bueno. Qui aurait prédit le succès incroyable de Fortnite après? Parce que bon, hein, là on découvrait, ça venait juste de sortir. Fortnite, ils avaient sorti un mode qui s'appelait Sauver le Monde. Et qui n'avait pas non plus buzzé plus que ça, tu vois. Et après, ils ont sorti le Battle Royale gratuit. Ah, je pense qu'on peut tous se le dire. Fortnite, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, a baisé et révolutionné le game. Voilà, bon, l'intro un peu gueulante, machin. Et en plus gratuit, j'ai envie de dire que dans le peuple, hein. Oula. Alors, je sais pas si j'avais déjà picolé à cet âge-là, hein. Malheureusement, ce n'est pas ma première partie parce que j'étais en train de tourner la vidéo. Ouais, vas-y, tu racontes ta life, on s'en bat les couilles. Alors à l'époque, on pouvait construire, mais alors la construction. Oh oui. Premier kilo snipe, ah ouais. Alors c'était avant que je sache que ce snipe était un peu bidon. Bref, c'était putain, vous avez péri, Skyrose. ASNN newbie, vous a réglé votre compte. Voilà, il m'a réglé mon compte. T'avais les skins par défaut. Oh là là, c'était en vrai, c'était quelque chose. Vraiment, comme je dis, Fortnite, tu aimes ou tu aimes pas, ils ont baisé le game. Je suis assez surpris, mais assez content d'ailleurs, ce cadeau. Parce que ça veut dire que finalement, bah, ils m'ont pas oublié, quelque part. Bon, on va dire que la vidéo, elle avait fait quand même plus d'un million de vues. Hein. C'est pas mal. Et Jean-Claude, t'es fier de moi? Fortnite. Where we dropping? Alors, je sais pas ce qu'il y a dedans. Il y a marqué OG. Ah, techniquement, je suis un OG, puisque j'ai fait la vidéo le jour où le jeu est sorti. Et bon, c'est bien. Il n'y a pas d'autre truc. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Wow! No way! Ah! Attends, tu vois ça? Non! Oh, c'est trop bien! Oh la vache, regarde! Oh là là! Mon premier top 1! No way! Mec, c'est trop stylé! Ouais, tu peux voir que, bon, après des années, on est toujours pas bien équipé, hein. Eh, la régie, là, vous foutez quoi? Non! Tu ouvres, pop, ça pop direct! Mais c'est trop classe!
Oh la vache! Oh le cadeau de ouf! Alors là, on a d'autres trucs ici même. Alors, je vais les enlever parce que ça va être compliqué de bien voir. C'est trop classe! Ah, le colis est incroyable! Oh la vache! Ça fait quelque chose parce que j'ai commencé à faire des vidéos il y a de ça, je crois. Ma première vidéo, elle date d'il y a 15 ans maintenant, tu vois, un truc comme ça, mais un peu plus, tu vois. Ma première vidéo, ça date. Hein. Bon, à l'époque, je faisais quoi, une ou deux vidéos par an et v'là que c'était de la merde. Hein. Mais c'était mes premières vidéos. C'était aussi les premières vidéos, presque même du YouTube France. Tu vois, en France, des gens qui faisaient des vidéos sur YouTube, il y en avait très très peu, tu vois. D'ailleurs, j'ai commencé sur Dailymotion, c'est pour te dire. Et, enfin bref, j'ai ma carrière. Putain, j'appelais ça ma carrière. Là, je crois que c'est la première fois que je dis le mot. C'est du Call of Duty. Et il y a un moment donné, il y a eu quand même une pause Call of Duty pour du Fortnite. Et Fortnite, j'en ai fait pendant un bon 2 ans, je pense. Hein. Un bon 2 ans. Hein. Ouais, l'époque des cheveux longs. Ouais, c'est vrai que j'avais les cheveux longs à l'époque. Hein. J'avais les cheveux jusque-là, je crois. Hein. Il y a un moment donné, j'avais les cheveux jusque-là. Ce qui partait d'un moment donné à un pari, ouais, plus ou moins un pari avec ma femme en disant, tiens, quand on aura notre premier enfant, tu te couperas plus les cheveux. Puis au bout d'un moment, après, on... Enfin bref, je raconte ma life, je m'égare. Donc là, on a quoi? Là, on a un petit collier. Des Doc Plate, je crois, on appelle ça. OG. Et c'est vrai que Fortnite a eu un vrai bon moment dans mon passage dans les vidéos que j'ai réalisées, quoi. Oh non, ça c'est classe. Ah franchement, c'est classe de ouf. Eh, ça c'est un cadeau, mon pote. OG avec Chris Kairos, quoi. C'est des petits détails à la con, hein. Mais ça c'est vraiment stylé. Hein. C'est vraiment stylé parce que je pense que déjà des cadeaux comme ça, je sais pas les autres, mais moi je reçois pas beaucoup, même quasiment jamais. Donc forcément quand on fait un cadeau, ça fait toujours plaisir. Et c'est vrai que ça rappelle des souvenirs, tu vois. Ça rappelle des souvenirs. Et du coup c'est vraiment sympa. Et il y a un vinyle. Alors j'ai un lecteur vinyle. Oh attends, mais attends. Ah mais il y a plus. Attends, ça c'est Easter egg ça. Oh alors je sais pas si on va bien le voir avec la caméra. Donc là. Sur une face du vinyle, on a le bus. Mais là, on a la map. Je ne sais pas si on voit bien. On a la map. J'ai pas trop suivi l'actualité ces derniers temps. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison Fortnite, régulièrement, je vais dessus, histoire de faire une petite game ou deux. C'est toujours sympa. C'est vrai que c'est pas le jeu sur lequel je joue le plus souvent, mais de temps en temps, on se fait des petites sessions dessus. Là, la rumeur. Bon. Vraiment une rumeur, quoi. Maintenant, sur le prochain chapitre de Fortnite, on revienne aux origines. C'est-à-dire, c'est pas pour rien, je pense, la vidéo sur la première map, etc. Je pense que la chapitre, ça va revenir la nouvelle saison. La première, la toute première map qu'on avait, la map d'origine. Parce que c'est vrai que là, il y a eu 4 chapitres, je crois, donc il y a eu finalement 4 maps. Même si c'est vrai qu'au fur et à mesure des saisons, la map change énormément. Mais là, on reviendrait sur la première map de Fortnite. Et forcément, c'est quelque chose que les fans de Fortnite, depuis le premier jour, attendent. Même si, bon, ça va être là. Même s'ils remettent la première map, tu vois, ça sera un peu différent. Parce que comme on a vu, on regardera un petit peu quand même une petite vidéo. Mais chapitre 20, saison 5, la map. J'ai pas regardé. Il y a un tweet officiel. J'ai pas regardé, hein, franchement. On m'a dit hier qu'il y avait un tweet officiel, mais j'ai pas regardé. Et mais là, il y a des pins. Ils sont classe, hein. Et c'est vrai que, si je me souviens bien, ce personnage-là, je sais pas comment il s'appelle, hein, déjà on a le cube là, Kevin, le Pins OG, donc je suis un OG de Fortnite frérot. Et ce skin-là, c'était le skin du pass de combat de la saison 5. Et lui, c'était la saison 9, 10, non? C'est ça, le maître des glaces, non je crois, à l'époque. Le skin banane. Et ils sont numérotés, oh, bah oui, il y a 8, 9, 5, ouais c'est exact, 5. 7, 6, ils sont numérotés. Ah, trop stylé. Le Roi des Glaces, saison 7, ouais. Non, franchement, ça fait vraiment plaisir. Merci Epic Games pour le cadeau. En fait, je pense qu'au-delà du cadeau même, tu vois, c'est de se dire, tiens, on a commencé dès le début sur Fortnite. Au-delà de ce que certaines personnes pourraient penser beaucoup de fois, c'est que... Enfin, après, je sais, encore une fois, hein, moi, je parle pour moi, je sais pas du tout les autres. Mais déjà, je reçois... quasiment jamais de cadeaux de la part des éditeurs. Tu vois, l'autre fois, j'ai reçu une tasse PUBG Mobile.
je la kiffe, tu vois, et c'est une de mes tasses préférées. Et là, souvent, bah, tu fais les vidéos, bah, entre guillemets, un peu dans l'anonymat, dans le sens où il y a un jeu qui sort, tu dis, tiens, vas-y, je kiffe, je vais faire une vidéo, et puis voilà, bon, même si elle fait des vues ou quoi, mais ça reste un peu le truc de ton côté. Et de se dire, tiens, bah, ils ont regardé, et finalement, même si aujourd'hui, je fais plus de Fortnite, je sais pas comment l'expliquer, mais en gros, ils n'ont pas oublié que j'étais là depuis le début et que j'étais un acteur, je vais pas dire un acteur principal, mais un acteur, on va dire, significatif par rapport à la sortie du jeu où j'ai été énormément là, j'ai fait énormément de contenu dessus, de stream, de vidéos et tout. Et du coup, bah, tu vois, c'est cool. C'est cool. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait un petit truc. Ah, ouais, ça fait une petite émotion, tu vois, je suis content. Bon, je suis toujours pas Epic Partner, hein. J'ai demandé, du coup, à un moment donné, j'ai même dit ça, est-ce que je pourrais avoir mon code aussi ou ça ? Et on m'a dit, pour l'instant, il n'y a pas de partenaire. Donc là, leur truc, faut que tu mettes hashtag Epic Partner, etc. Ou hashtag ad ou sponsored. Je suis ni payé, ni Epic Partner. Donc merci Epic pour le cadeau, voilà. Mais l'hashtag ad, il n'y en aura pas. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Pas non plus exagéré. Le cadeau est classe, ouais. Et c'est surtout que, tu vois, ils ont été chercher la vidéo de mon premier top 1, ils l'ont mis dessus et tout, et réellement, ça fait chaud au cœur. Vraiment, ça fait chaud au cœur, ça. C'est vraiment stylé. Hein. Ouais, je vais faire des vidéos de Lamborghini, on sait jamais. Voilà. Hein. Non, mais en vrai, j'ai jamais rien, comme je te dis. Après, j'habite au Mexique, donc je sais pertinemment que le fait d'être au Mexique, ça doit... T'as l'impression, des fois, t'habites sur la Lune, tu vois. Ah, un colis au Mexique. Oh. C'est vrai que ça part de France, ou même d'ailleurs qui n'est pas du Mexique, c'est vrai que ça coûte cher et surtout les douanes, des fois ici, elles sont quand même assez pointilleuses. On se demande pourquoi d'ailleurs, mais bon, voilà, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Attends, non, mais tu caches la vue. Ah. Salut JC. Yes. On va être dans le casier et on va la regarder un petit peu, ce petit moment de nostalgie du coup. Déjà pour la musique, la toute première. Voilà, on va mettre la toute première musique. Ça rappelle des souvenirs de fou. T'es obligé d'avoir le smile quand t'écoutes ça. Pareil, trier, filtrer, rareté, saison. Voilà. Les premières. À l'ancienne. C'est chiant. À l'ancienne, quoi. Ça, c'était le skin qui était exclusif pour ceux qui avaient la play. Non, c'était pas celui-là. Bah d'ailleurs, tiens, regarde, on va voir les skins. Je vais montrer mon casier. Tiens, allez. The Unicorn. On va montrer mon casier Fortnite. Donc, les premiers skins. Les tout premiers skins. Donc, le skin de Noël. Je crois que celui-là, à l'époque, quand Fortnite est sorti, il n'y avait pas de saison. C'était la saison 0, on va l'appeler. Et après, ils ont sorti des éléments dans la boutique, je crois. Non, les premiers skins, je crois que c'était la saison 1, mais t'avais genre que 2 skins. Mais bref. On a elle. Et elle s'appelle comment, elle? Bah oui, Renegade. On a Mercenaire. Chasseur Polaire. Le zéro absolu. Terreur fluo. Survivaliste. Ouais, bref, oublie. Ah, bref. Je crois que le plus rare, ça va être elle. Hein. L'écumeuse Renegade que t'avais sur la saison 1. Y'a que ceux qui ont joué à Fortnite chapitre 1 saison 1 qui peuvent avoir l'écumeuse Renegade. Parce que c'était un skin qui était présent dans le pass de combat. Et non dans la boutique. Donc si c'est dans la boutique, ils peuvent te le ressortir. Si c'est dans le pass de combat, bah... Voilà. Et le deuxième skin qu'il y avait dans le pass de combat, c'est celui-là. L'aérostier. C'était lui le deuxième. Après, on a eu le soldat ghoul, les petits soldats funky à l'ancienne. Bon, après, ils ont ressorti des versions un petit peu différentes, tu sais. En mode, tiens, bah, ceux qui le veulent, ils peuvent l'avoir, mais c'est pas exactement la même chose. Une chose que j'apprécie réellement souvent ce qu'ils font, c'est que... Tu vois, quand j'ai acheté le skin, le gentil maraudeur, par exemple, il y avait que lui. Et après, ils t'ont mis des petites variantes, et je crois pas que c'était dès le début, tu vois. Voilà, le rapace. À l'ancienne, le rapace aussi, hein. Bah, la chevalesse rouge, c'est là, hein. Même le chevalier, parce que ça faisait partie du pass de combat. Et le... Bah, il y a le chevalier noir, aussi. Bref, il y a vraiment des skins... l'as des pistes. Celui-là, oh là là. Je me souviens, à l'époque, avec Saxy, qu'est-ce qu'on s'amusait sur Fortnite, hein. C'était vraiment fun, hein. Bon, après, ils ont dû évoluer, ça a changé, ça a plu, ça a déplu, etc. Bon, c'est un peu comme ça, tu vois, mais... Le John Wick, avant qu'ils fassent la collab avec John Wick, ils avaient sorti un faux John Wick, tu vois. Le faucheur. Et après, ils ont sorti le vrai John Wick. On regarde un petit peu. Ça rappe. Il y a du truc, hein. Il y a des petits souvenirs. Ah, lui, c'était le skin exclusif PlayStation. Il y avait un truc comme ça, il y avait une édition sur PlayStation ou je sais pas quoi.
Ça, c'est pareil, il est assez rare du coup. Celui-là, je crois que c'était Nvidia d'ailleurs. Un truc du genre. Ou Switch. Il y avait un truc comme ça. Parce qu'à l'époque, il y avait vraiment. Je me souviens, même c'était Le Bouzeux hein, qui faisait ça. C'était avoir tous les skins qui existent sur Fortnite. Tous les skins possibles, imaginables. Bon, maintenant, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que. Ça, j'aime bien les skins comme ça avec les masques. Je crois que j'ai dû bien utiliser. Je pensais un peu à Rammstein. C'est ça, la saison 4, je crois. Hein. Saison 4, ça. Hein. Non ? Saison 4, ouais. C'est ça, Carburo. Les skins à l'ancienne, hein. C'est vrai que pour le coup. Putain, c'était. Ça rappelle. Vraiment, arrête là, dans le casier. Ça te rappelle des petits souvenirs, quoi. Putain, même là, quand ils avaient mis le truc, le mont glacé et tout. Oh là là, la dinguerie. Celui-là, je sais plus c'était quoi, celui-là. Il y avait un truc spécial avec ça. Ah non, c'était celui-là, je crois. Peut-être. Je crois que c'était Nvidia, celui-là. Ils avaient sorti la version féminine. Oh, ceux qui sont sortis après. Celui-là, je l'aimais bien aussi, le fléau. Ça, je l'ai mis pendant longtemps, le fléau. J'aimais beaucoup celui-là. Ah ouais, même le Lycan au début, c'était. Je crois que c'était un des premiers skins évolutifs. Ah, le premier, je crois que c'était. Celui de la saison 5, là. Bon, bref, des skins, il y en a une tonne. J'en ai plein. Voilà, forcément, j'ai une tonne de skins. Ceux-là étaient vraiment classe aussi. J'aimais beaucoup. Mais là, on tape dans les dernières saisons du chapitre 1. Hein. Ah, voilà, le vrai John Wick, quand il est sorti après. C'est saison 9, ça, non ? Saison 9. Oh, la vache ! Eh, les souvenirs sont encore là. Hein. Putain, Major Lazer. Je me souviens, celui-là, il me l'avait donné avant la sortie. C'était la première fois qu'il y avait un truc comme ça qu'il faisait, je crois. Il me l'avait donné avant la sortie. Maintenant, je vois avec Mayuka, c'est quelque chose qu'ils font souvent. Ils te les donnent une journée avant et tout. Bon, bah, pas moi, du coup. Parce que je suis pas Epic Partner, quoi. Et là, tu vois qu'après, j'ai acheté moins de skins, quoi. Tu vois, vraiment. Bon, j'ai acheté forcément Sangoku, Vegeta, Piccolo, tout ça, parce que voilà. Les Dragon Ball et tout, mais. Alors, je sais pas, dans. C'est... Quand ils disent rareté, ça serait quoi les skins le plus rare alors ? C'est ça le plus rare ? Ah ! Genre, ça, ce serait le skin le plus rare ? Non, ils mentent. Ils mentent. Ils mentent. Je pense que le plus rare que j'ai, ça doit être elle, l'écumeuse renégate. Lui également, parce que tout le monde parle de l'écumeuse renégate, mais celui-là, il est aussi rare, hein, parce que c'était un truc de passe de combat, quoi. Et forcément, pour la... Bah, il y a celui-là qui est rare aussi, hein. Du coup, saison 2, Chevalier, c'était le skin max. Donc, le plus rare que j'ai, ça doit être elle. L'écumeuse renégate, la plus rare et la plus prisée. Non, je sais pas si je me trompe. Parce que encore elle, ils ont sorti une autre version, tu vois. Je crois que c'est la version de base, celle-là. Et là, c'est la version remasterisée. Il y a un truc comme ça. Voilà. Allez. Allez. À l'ancienne. En vrai, je joue. Généralement, quand je joue à 2, 3, tu vois, je joue jamais tout seul. Une game tout seul sur Fortnite, ça fait un bail que j'en ai pas fait. Hein. Allez, vas-y, ça va faire plaisir. Allez. T'as une machine à remonter dans le temps là. Donc, du coup, en fait, il va aller dans la machine à remonter le temps et il va revenir sur cette map là. Saison 5, chapitre 1. Ok. Bon après le jeu c'est vrai qu'il a vachement évolué hein. Tu vois les détails de l'herbe et tout. À l'ancienne c'était pas comme ça. Du coup c'est vrai que là ils vont te mettre la nouvelle map. Enfin la nouvelle map ça va être l'ancienne. Elle sera forcément différente tu vois. Ça soulève toujours un petit peu le côté de la nostalgie versus l'évolution et la modernité. Toutes les personnes qui ont connu Fortnite à ses débuts aujourd'hui disent ouais ça serait cool d'aller d'avoir la map du chapitre 1. Mais est-ce que offrir la map du chapitre 1 t'offrira ce que tu cherches ? Est-ce que tu cherches réellement à rejouer dessus parce qu'elle était mieux ? Ou est-ce que tu cherches la nostalgie ? Parce qu'à l'époque, personne faisait de construction. À l'époque, tu faisais un mur déjà ! T'étais balèze, mec ! Après, je me souviens, il y avait le mec qui faisait le mur et une rampe. Là, c'était... Waouh ! Le mec qui faisait ça, c'était incroyable. Et après, il y a le mec qui faisait mur-rampe. Mur-rampe ! Et là, on était déjà dans le futur, quoi, au niveau de la construction. Maintenant, aujourd'hui, les gars, ils font des... Pssst. Bon, là, je suis en mode sans construction. Donc, techniquement, on pourrait avoir la map du chapitre 1, saison 5, sans construction, donc ça sera un peu comme à l'ancienne. Allez, allez, ça me va. Mais bon, après, les joueurs ont vraiment évolué, parce que les mécaniques de jeu étaient absolument pas les mêmes aujourd'hui. Donc, automatiquement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je sais pas ce que c'est, ça, mais bon. D'accord.
Et bah franchement, voilà, c'est tout. Et voilà les gars, c'était tout pour ce petit retour sur Fortnite. J'espère que vous avez kiffé. Allez, on y va. Bon, on est là pour l'humour, on aime rigoler, nous. On aime rigoler, mais vous ne connaissez rien, l'humour. Puis, regardez, voilà, on est avec un des skins les plus rares, un des trucs dans le dos les plus rares, un des planeurs les plus rares. Bref, et on va faire... Bah, j'aurais pas dit un top 1 parce que c'est vrai que c'est aussi rare. Voilà, c'est les top 1 chez moi, c'est aussi rare que mes skins. Voilà, donc, du coup, on est un peu dans la rareté. C'est ça qui est assez plaisant. Ah, non, il faut se le remettre en situation. Oh, yes! Oh, yes! Le snipe à l'ancienne. Parce qu'en plus, ce snipe là, c'était. Voilà, il a le silencieux, mais techniquement, ce snipe, c'était les premiers snipes qu'il y avait. Hein. Ouais. Bah, il s'appelle Anonyme et il restera dans l'anonyme, hein, moi, je te le dis tout de suite. Ah, hein. Oh, c'est pratique pour se déplacer, surtout qu'il y a des fois, tu t'emmerdes un peu sur la map, tu vois, donc. C'est vraiment pratique. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de sprint, pas d'escalade, pas de nobult. Je sais pas. Bah, il y avait un gars dans le coin, mais... Je sais pas où il est parti, le... Le Yukun-kun. Je sais pas où il est parti. C'est bien avec le balai, en vrai, tu peux faire des petits déplacements comme ça assez rapides. Le problème de Fortnite, je pense, c'est ça. C'est qu'il y a des fois, purée, qu'est-ce que tu t'emmerdes. C'est un fantôme, ça. Et je sais pas si ça vient parce que la map, elle est peut-être trop grande, il y a trop de choses. Ou... Pourtant, est-ce que les moyens de déplacement sont... ont jamais été aussi rapides. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte de le voir ce que ça va donner, quoi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est ça qui est horrible. Tu vois personne pendant 15 minutes, tu t'emmerdes! Et là, t'as un connard! Qui était là. Oh, tu peux prendre le balai en hauteur. Oh, ça c'est stylé. Oh, ça c'est stylé. Bah bref, c'est un connard quand même! C'est frustrant de fou, ouais. Pourtant, j'ai mis la petite balle, tu vois, de snipe. Histoire de dire, tiens, je dégrosse, mais le l'arbre, il a pas carry, quoi. Il a pas carry. Mais en vrai... Je trouve que on est 100 joueurs et pour le coup, tu sens vraiment à un moment donné, en termes d'intensité, c'est un peu faible. Soit la map elle est trop grande, soit le cercle il va pas assez vite. Mais sur un truc comme ça, le cercle il devrait aller un peu plus vite ou faire une map plus petite. Parce qu'il y a vraiment un moment donné où bah, tu te fais chier, tu vois personne. Alors ça peut être un double tranchant, c'est-à-dire que si tu fais ça, si tu fais une map plus petite avec un cercle qui va plus vite, tu pourrais avoir des fois peut-être un peu trop d'intensité, t'as pas le temps de te récupérer. Il y a un juste milieu, mais là clairement tu sens qu'il y a des moments où c'est... C'est un petit peu trop, lent, ou à l'inverse de ça, il y a trop de moyens de déplacement, le balai, les ci, les ça et tout. Et comme les gens bougent trop vite, bah les gens se voient pas finalement, tu vois. Et il n'y a plus de rencontres. Ça peut le faire aussi, ça peut être ça. Mais bon, hâte de voir ce que ça va donner de retour sur la map du chapitre 1 et ce petit cadeau de Fortnite qui était vraiment sympa. Et il y a un petit moment de nostalgie, franchement, c'était vraiment cool. Après, c'est vrai que comme je joue plus réellement à Fortnite, automatiquement, c'est ça qui est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que comme je joue quasiment plus jamais à Fortnite, ou en tout cas très peu, bah, dès que je retourne sur le jeu, j'ai peut-être pas les bonnes mécaniques, les bons déplacements, les bonnes connaissances, et ci et ça. Et donc, je pense que ça peut venir du fait que je joue plus assez au jeu pour bien savoir comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que je fais sûrement des choses mal. Ou en tout cas, quand il y a des combats, bon, clairement, c'est qui tout double, hein. T'as l'impression que soit c'est trop facile, soit c'est trop dur. Mais Fortnite est ce qu'il est. Et hâte de voir ce que ça va donner le retour sur la map d'origine. Je pense que toutes les personnes qui ont été là depuis le début et qui ont peut-être, pour une raison X ou Y, quitté le jeu, peut-être revenir. Je ne pense pas que ça va redonner les mêmes sensations qu'à l'époque. Mais revivre des moments comme à l'ancienne... Ça sera toujours plaisir. Ça sera plaisir. On ne savait pas parler au début, on ne sait pas parler à la fin, ça fera plaisir.